Salut à tous, c'est Janvier. En ce moment, j'écris un livre pratique pour t'apprendre à devenir un YouTuber. Pour que ce livre soit le plus précis possible, j'interviewe en ce moment plein de stars du web. Des blogueurs, des auteurs, des YouTubers. Problème, ces stars du web ne sont pas toujours hyper disponibles. C'est souvent difficile de les joindre par mail ou au téléphone. Ils ne te font pas forcément confiance. Bien souvent, elles n'ont pas le temps de répondre par écrit à tes questions. Je vais te montrer dans cette vidéo comment attirer l'attention d'un blogueur, d'un youtubeur et d'un auteur et le faire répondre à ton interview. Comment interviewer un blogueur? Donc le blogueur influent, souvent, il se fait spammer de mails par les marques. Donc ne lui shoot pas un mail, envoie-lui plutôt un message direct sur Twitter, de préférence en message privé pour lui demander une interview. Le blogueur ou la blogueuse est en général quelqu'un d'assez introverti. Je suis super confort pour t'en parler parce que moi, à la base, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Je me fais super violence pour parler devant cette caméra. Vaut mieux éviter de proposer au blogueur une interview vidéo de façon frontale. Pose-lui plutôt de répondre à tes questions par mail. Tu sens que le blogueur est un peu plus ouvert, un peu plus extraverti pour échanger en vidéo. Tu lui proposes un Skype chat. Tu pourras utiliser MP3 Skype Recorder pour enregistrer l'audio. Free Video Call Recorder pour enregistrer aussi la vidéo. Et avant l'interview, le type de questions que tu vas lui poser, il sera plus à l'aise pendant l'interview et son discours sera plus fluide. Dis-lui bien au moment de l'enregistrement que le son et la vidéo sont enregistrés, c'est une obligation légale. Se lancer dans le jeu des questions-réponses teste bien que le son fonctionne et que l'enregistrement vidéo fonctionne. Et indique bien à ton blogueur que quoi qu'il arrive, il aura le final cut, donc il pourra décider les passages qu'il coupe. Ainsi, pendant la vidéo, il sera totalement débridé, totalement ouvert et il pourra partager des sujets intéressants avec toi. Si on interviewait un auteur maintenant, l'auteur est un peu plus rompu que le blogueur au jeu de l'interview. L'auteur a besoin de toi pour faire la promotion de son ouvrage. Si on ne parle pas de son ouvrage, jamais il ne se vendra. Et ça, l'auteur le sait bien. Tu peux envoyer à l'auteur tes questions par mail. L'écriture, c'est son truc. Il prendra sa plus belle plume pour te répondre précisément. Ton auteur est une vedette. Ce sera peut-être plus compliqué de le joindre par mail. Il n'aura pas forcément le temps de répondre à tes questions. Marocco, c'est d'être là où il est. Séance de dédicace, salon du livre, événement. En général, dans ce type de sauterie, souvent l'auteur est amené à faire acte de présence pendant quelques heures sous la pression de son éditeur. Dans ces séances de dédicace, il y a toujours une petite période de temps mort. L'auteur est heureux d'utiliser ce temps inoccupé à bon escient pour répondre à ton interview. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment vas-tu? Il va bien, il te remercie. Donc n'hésite pas à aller à la rencontre de l'auteur pendant ces temps morts. Et s'il est pressé, tu peux le prendre au vol avec ton appareil photo ou avec ton smartphone. Et si on interviewait maintenant un youtubeur, la véritable star du web après tout, c'est lui. Pour rappel, le youtubeur fait beaucoup plus d'audience sur les jeunes que certains programmes télé. Youtubeur, c'est comme une star de cinéma. Pour l'accrocher, il faut lui promettre une belle visibilité et une belle mise en avant. Jamais vu un youtubeur refuser une interview d'un journaliste télé, radio ou presse écrite. Il y a aussi des interviews avec des youtubeurs en leur disant qu'ils seront la star de mon livre édité par Erol. En général, ça marche assez bien. Contrairement au blogueur, le youtubeur est plutôt de nature extraverti. Il sera moins chaud pour te répondre par mail à tes questions. Les mails, ça prend du temps et puis l'écriture, c'est pas son truc. Par contre, il sera super chaud pour discuter avec toi au téléphone ou te rencontrer en physique. Tu peux utiliser le magnétophone de ton smartphone et un petit micro pour l'enregistrer si tu le rencontres en physique. L'application pour enregistrer les appels si tu l'as au téléphone. Dis-lui surtout bien que tu l'enregistres pour faciliter l'écriture de ton interview et qu'il aura bien sûr à la fin le final cut. C'était mes conseils pour interviewer les stars du web. Tu as vu, il faut être un fin psychologue, un spécialiste de la gestion du temps et un simple smartphone suffit pour faire l'interview. En effet, ce qui marche le mieux, c'est quand tu as un petit peu d'affinité avec l'interviewé et que tout ça se fait un peu en mode improvisation. Pour terminer cette vidéo, je te lance un petit défi. Dis-moi quelle est la star du web que tu voudrais que j'interviewe pour mon prochain livre YouTubeur. Tu serais alors la star qui aura été la plus citée pour avoir son témoignage dans le livre. Si la vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre plein de pouces levés. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque lundi un nouveau tuto.